Le turntablisme est un mot américain désignant l'art de créer de la musique grâce aux platines et aux disques vinyles. Durant les années 70, les jeunes du Sud Bronx à New York organisent leurs propres fêtes et dansent au rythme des sonos de fortune. En 1973, Cool Herc a l'idée de jouer les passages les plus rythmés de ses disques funk et de les enchaîner sur deux platines jumelées. Dès 1974, Grand Wizard Theodore invente par hasard le scratch en posant la main sur la platine alors que sa mère l'appelait. N'étant qu'un enfant à cette époque, il ne put le perfectionner. C'est donc Grandmaster Flash qui s'en chargea. Les DJ rivalisent d'adresse et mettent enfin au point des techniques de base. 1983, le jazzman Herbie Hancock s'adjoint les services du DJ Grandmaster DST et intègre le scratch dans son disque Future Shock. Pendant les années 80, l'industrie du disque, dans son intérêt pour le rap, préférera mettre les chanteurs en avant pour en faire des stars et vendre des millions d'albums. Les DJ entameront alors une longue éclipse aggravée par l'arrivée des sampleurs, ces appareils permettant de copier-coller des parties sonores. Dominés par les grands producteurs du gangster rap, les années 90 ne ménageront pas les DJ. L'essoufflement et les excès du gangster rap réorienteront le hip-hop vers la recherche expérimentale et l'émulation héritée d'une relecture de la vieille école. Une nouvelle génération de virtuoses des platines en naîtra. Les meilleurs adeptes du genre s'affrontent lors de championnats qui mettent en lice des concurrents du monde entier. Le plus renommé d'entre eux est sans doute le tournoi organisé par Technics, créateur de la platine MK2. Instrument de référence par sa précision et sa fiabilité inégalée depuis 30 ans. Organisé depuis 20 ans, il désigne chaque année le champion du monde DMC. Il propose également d'autres modes d'affrontement, par équipe ou en duel. That you've heard before. Now here's the remix. The remix. Thank you.
Le premier à avoir utilisé le terme DJing est DJ Babou en 1995. Par un étonnant retournement de l'histoire, le disque vinyle a échappé aux oubliettes et la platine, à l'origine simple appareil destiné à les jouer, est devenue instrument de musique sous les doigts habiles de DJ. Utilisons les disques comme des banques de sons et inventons des techniques pour enchaîner de brefs passages à l'aide de plusieurs platines. De nos jours, le DJing occupe une place importante dans notre société. On la retrouve à la télévision, à la radio sous forme de spots publicitaires, dans le cinéma et les jeux vidéo sous forme de musique d'ambiance, et bien évidemment, dans les établissements de nuit. Depuis la mi-janvier 2011, le service jeunesse de la ville de Chalette-sur-Loing accueille DJ Mike Milo du Clamp Label pour animer l'atelier découverte DJing chaque vendredi de 17h à 19h. Accessible à tous et à toutes, l'atelier DJing est un programme qui apporte aux jeunes de la ville les connaissances de base liées à la discipline. La prise en main du matériel, présentation et explication du fonctionnement des différents appareils. La découverte musicale liée à l'instrument. La compréhension des structures rythmiques. L'acquisition et la pratique des techniques de mix et de scratch. Ce programme découverte est destiné aux personnes novices âgées de 16 ans à plus. Cet atelier comprend un formateur pour un maximum de 4 personnes. À l'issue de cet atelier, les jeunes sont en mesure de comprendre le mécanisme de cette discipline et de mettre en musique les bases de scratch. Cet atelier permet également de développer l'écoute, la concentration, la rigueur, l'organisation et la responsabilité qui sont également des valeurs essentielles au bon déroulement de cet atelier. Mais une question fondamentale se pose. Le DJing, est-ce réellement de la musique ? Music. It's a love story, y'all. This is how it goes. Avec la démocratisation des nouvelles technologies, de plus en plus de particuliers s'essayent à la MAO, ce qui signifie musique assistée par ordinateur. Mais les connaissances techniques manquent pour compléter la motivation et garantir un travail de qualité. Il est également possible de combiner DJing et création musicale dans le but d'innover, réaliser, promouvoir et faire partager ses propres créations. Avec le soutien de nombreuses associations et collectivités, le relais permet à ces acteurs de se produire sur scène, de rencontrer un public et se faire une expérience. Rencontre avec le Clamp Label et leur pôle de création. Clamp Label, c'est un catalogue d'artistes. Il y a Zamal, DSK, Armada, moi-même Mike Milo. Très bien. Et en fin de compte, comme tu peux le voir, c'est que tous les lundis, ça tombe bien, on est là pour enregistrer, pour mettre en boîte nos sons. Donc ça fait un an qu'on travaille régulièrement. Donc on a produit Bienvenue dans les coulisses 2, qui est un album de 21 titres. Et en fin de compte, on a fait une coproduction avec Peripherico Chords, qui est une boîte de prod allemande. Et en fait, on a travaillé des concepts, on a produit 21 titres, c'est de la pure musicalité, un album qui est vraiment le reflet de la société actuelle. D'accord, très bien. Et donc tu m'as parlé de Peripherico. C'est qui, ils viennent d'où, c'est comment ? Alors, Peripherico, c'est une boîte de production allemande. J'ai été stagiaire chez eux en 2006. En fin de compte, j'ai appris tout le métier, tout ce qu'il y a par rapport au son là-bas. Donc voilà comment mixer, comment masteriser. Donc voilà, c'est un très bon contact. On a fait un projet en 2005 concernant les dangers de la sécurité routière avec Armada. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a posté sur le net et un jour France 2 nous a appelé et ils ont décidé de faire un reportage sur ce sujet. Et on s'est retrouvé à 20h50 chez Béatrice Schoenberg. On est passé de 50 000 à 300 000. Les journalistes spécialisés nous ont appelés. Donc on a décroché quelques chroniques à gauche, à droite. Donc voilà.
Un projet intéressant. Un projet intéressant avec un thème qui touche beaucoup de monde. Donc voilà, c'est ça aussi le hip-hop, c'est de passer des messages. Très bien. Les projets à suivre ? Les projets à suivre, alors là ce qui va se passer, c'est qu'on est en train de travailler sur une fusion, le pacte FLOSTECAS. FLOSTECAS, c'est Zamal et Armada. Donc ça va être un EP, 8 titres. Et ce sera une facette des deux MC du Clamp Label. Donc ça va arriver pour octobre. Donc restez à l'écoute. De toute façon, tout est disponible sur le net, sur le www.myspace.com/zamalmc. Vous pouvez aller aussi sur le Clamp Label, le YouTube. Il y a une chaîne vidéo. Donc il y a une multitude de vidéos. Vous serez informé, tenu au courant. Donc, pas mal de choses qui se passent alors, très bien. Explique-nous un peu, le on va en revenir au Clamp Label. Voilà, le concept, l'univers, c'est comment? Alors par rapport à tout ça, ça c'est vraiment le noyau dur, c'est la musique pure et dure. C'est-à-dire que c'est ça signifie quoi Clamp? Ah d'accord, alors Clamp Label ça signifie C pour concept, L pour lyrics, A pour attitude et apparence, M pour musicalité et P pour performance. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on fait, on donne cette ligne directrice au titre et à tout ce qu'on fait, donc voilà. Aïe. Je souligne une petite chose, c'est que en tant que ça, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, ça reste le noyau dur. Et à côté de ça, Clamp Label aussi propose des services. Comme vous l'avez pu le voir en amont de ce film, c'est qu'il y a des ateliers DJing qui sont mis en place sur certains services jeunesse. Et en fin de compte, je viens toquer et proposer mes services aux services jeunesse. Donc voilà. À côté de ça, je fais aussi du mastering, du mixage. Donc c'est vraiment autour de la musique qu'on travaille. Donc voilà. Très bien. Et ce noyau, le Clamp Label, il y a des gens qui s'engagent à côté, qui sont autour de tout ça. Tout à fait, il y a des gens qui s'engagent, notamment Bap2JWare, le gars en fin de compte nous sponsorise, il nous fait des t-shirts à notre effigie, et à côté de ça il nous finance aussi tout ce qui est stickers, tout ce qui est support de communication. Donc voilà, c'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui on commence aussi à être sur les radios, à savoir que c'est bien de faire la musique dans un studio et tout ça, mais après le but c'est vraiment de communiquer, de partager nos projets, nos titres à la radio et à des auditeurs. Donc là par exemple, ça fait, par rapport au Bienvenue dans les coulisses, ça fait un mois, je dis bien un mois, qu'on tourne dans toute la région parisienne, et on a la chance cette année, je dis bien la chance, d'être sur des radios importantes. Nous, ce qu'on cherche par rapport à ça, c'est vraiment la crédibilité des médias. Là par exemple, on est en partenariat avec Radio Onda, qui est un portail des musiques indé hip-hop. Donc voilà. Plus qu'un simple phénomène de mode, le DJing est une réalité qui au fil du temps a séduit un large public. Cet art a pris une place importante dans notre société et inconsciemment il nous influence dans notre façon de consommer. Huit écoles de DJing sont en activité permanente en France et la plus renommée se trouve à Lyon. Certains organismes de formation proposent des stages d'apprentissage ou de perfectionnement. Mais sur le Mont Argois, tout est à faire.